Mais première édition du City Run d'Albertville après 2 ans de Covid. Donc pour nous organisateurs avec les migrateurs et la Camille Savoie, un réel succès pour une première. Et un grand merci aux bénévoles 92 également, aussi auprès de la mairie et des gens qui nous prêtent toutes les infrastructures qu'on utilise. Et puis, pourvu que ça dure. Alors, la Camille Sport et Cancer, au Comité Savoie, on prend en charge en fait les patients atteints de pathologies cancéreuses dès l'annonce du cancer. Donc, n'importe quel cancer, c'est pas que le cancer du sein, la Camille, c'est l'ensemble de tous les cancers que l'on peut rencontrer, que ce soit des cancers solides ou des cancers sanguins. Et moi, ma mission, c'est de prendre en charge sur l'aspect de l'activité physique et sportive, un programme de thérapie sportive pour leur permettre de mieux supporter les traitements, de garder un maximum de forme physique pour pouvoir, supporter les traitements. Et puis, s'aérer la tête, j'ai envie de dire, avec toutes ces personnes qui sont dans les cours. Et on œuvre sur Albertville. Alors, super course, ça m'a permis de découvrir un secteur d'Albertville que je ne connaissais pas, honte à moi. On a passé pas mal de chemins, donc c'était super cool. Je pensais que ce serait une course plutôt urbaine en ville, et en fait pas du tout. Du coup, on est passé par la campagne, ce que je préfère. Il y avait pas mal de côtes en plus, donc c'était cool, c'était à mon avantage. Donc c'est une course qui est quand même très exigeante, hein, avec cette première partie sur le plat. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait très lourd. Et cette alternance de boss raid et de relance, donc fallait bien doser son effort. Yes, 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 yes. C'est chaud. Milieu, dur. Pour je parle pas pour moi. C'est une illustration parfaite de ce que la Camille cherche à promouvoir, c'est-à-dire que l'activité physique est vraiment un outil thérapeutique efficace contre le cancer. Donc oui, aujourd'hui, se réunir comme ça et démontrer les impacts que peuvent avoir le fait d'être en mouvement pendant la maladie ou après la maladie, oui, pour nous, c'est super important. Ouais. On est parti et on est arrivé à l'Olympique avec un passage sous la flamme olympique. Après, on est parti en direction du centre et après, on est monté à Conflans avec une très belle vue sur la Combe de Savoie. Et on est passé par les petites ruelles et direction le pont Albertin avec un ravitaillement Place de l'Europe. De la Place de l'Europe, on est monté sur la commune de Palu, à côté du cimetière, et avec une redescente sur le chemin des Platons, direction l'hôpital d'Albertville, et avec un tour aussi au Mât Olympique, avec une arrivée toujours à la Halle Olympique. Un grand merci à la Halle Olympique de nous accueillir, ainsi qu'à Arlisère et la ville d'Albertville, qui sont nos partenaires. Et surtout, je voudrais quand même dire un gros coup de chapeau à ceux qui ont organisé cette course. Donc on a 4 membres de l'équipe qui ont géré pratiquement tout le dossier à E4. Donc je tiens quand même à les remercier de vive voix. Donc ils se reconnaîtront. Et je tiens à dire merci à l'ensemble de nos partenaires qui sont derrière moi sur le tableau, de façon à ce que tous ces gens qui nous ont soutenus cette année, j'espère qu'ils nous suivront encore l'année prochaine.